Signor Stambolian, vous êtes le président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Lyon et vous allez cette année participer à la foire de Lyon avec un certain nombre d'exposants. Dans quel domaine? Combien seront-ils? Et pourquoi votre présence dans cette foire? Alors notre présence est pour valoriser encore l'Italie, encore plus, même si elle est déjà fortement valorisée en France. Il y aura une trentaine d'exposants sur une surface de près de 500 mètres carrés, comme nous le précisait justement GL Event, qui est notre partenaire institutionnel pour cet événement. Et nous, la Chambre de commerce italienne de Lyon pour la France, on a à cœur effectivement de mettre en avant les exposants italiens. Ce sera autant dans l'alimentaire que dans la mode, que dans l'artisanat. C'est justement la question qu'on peut vous poser. Alors, l'Italie, pour nous, pays voisin, pays ami, pays transalpin, alors c'est déjà bien entendu la gastronomie. Et quand on dit gastronomie, pensons aussi à d'autres choses qu'aux pizzas. Parlez-nous un peu des produits gourmands italiens qui seront présents, j'allais dire des olives apéritives jusqu'à la charcuterie. Tout à fait, vous avez raison. C'est pas la pizza, c'est devenu le plat emblématique dans le monde, mais ça serait un peu réducteur de s'arrêter à cela. Donc les olives de Sicile. On parlait tout à l'heure de la charcuterie. Il y aura nos amis sardes et calabrais qui vont présenter des charcuteries. Les fromages avec un parmigiano-reggiano. qui sera bio, et puis des bières artisanales, les vins. Alors les vins de toutes les régions d'Italie, ils sont bons, ils sont remarquables. Il y aura des liqueurs aussi. On parlait de Sorrento avec le citron de Sorrento qui sont aussi gros que des melons et qui ont fait la qualité du limoncello en particulier. Donc à boire et à manger, effectivement. Alors, à boire et à manger et à voir un certain nombre de choses, par exemple dans le domaine des arts au sens large. Oui. Je vois que vous êtes habillé comme un bel Italien, de la cravate jusqu'aux chaussures. Trouverons-nous des bijoux, des vêtements, du cuir aussi peut-être? Tout à fait, du cuir, avec un nouvel exposant qui nous montrera sa collection, des magnifiques ceintures en cuir véritable pour femmes et pour hommes, des bijoux. Avec des verreries de Murano et autres, et puis effectivement au niveau de l'artisanat, il y aura un florilège particulier d'exposants pour amener toutes les qualités de l'Italie à nos amis lyonnais. Olivier Stambolian, merci une fois encore, bravo pour votre participation. Vous êtes fier de venir une fois de plus à la foire de Lyon pour montrer, pour démontrer, pour présenter ce beau pays et ses belles réalisations, tant gourmandes qu'artistiques. Fier, c'est le terme exact, tout à fait. Valoriser l'Italie et les Italiens, même s'ils n'ont pas besoin de nous, c'est quand même un véritable plaisir. Comment peut-on terminer? Grazie mille. Grazie a lei. Et vi aspettiamo alla Fiera di Lyon.